Mbote, fidèle, aimable téléspectateur, en même temps aussi abonné à RDC Monde et Télévision au Bozui di Bakou. Il y a Roland Abisson dans un moment où on attend où on a bisikanyon sobino bozoami, on a bisikanyon sobino bofandi, on a bisikanyon sobo komi tuna motuna, au juste, du roi John, en gros, Azawa, Pake, Wapezo, Kanate, Nini, Boetala, Tozongawa. Merci, la confiance au beaucoup, la Xabiso, la confiance au beaucoup, Pesabiso, en même temps aussi, la suggestion, d'abord, vraiment, tous les commentaires au bout de la on a toujours en considération tout le temps comme se doit n'a qu'au finger n'a qu'au encouragement n'a pas remarque vraiment on est là pour la Congo on est à moins de tout 5 secteurs tout comme il y en a pour la Congo tout comme pour la Congo je vais vous donner le Pakistan au moment où les cabis sont bancs mon comment parce que on a dit que le Congo, on a dit que le Congo, on a dit que le Congo, on a deux points, on a dit réfléchir, on a dit ensemble, fidèle, abonné à RDC Monde Télévision, avant tout, on a tous abonné. Tala Mpanzana, yo subi sur Asiko, allez, s'abonner, pack, voilà, allez. Zonga Sukoto Bané en émission, voilà. Tolo Bana Binosko Makambo, tout réfléchir, on a dit que le Congo, on a dit que le mais, oui, ça l'a mis dans mon colo à l'élo. La cathédrale Notre-Dame du Congo. Bato mon sous ma bengi en mon matinée politique. Balobi est comme une matinée politique. Balobi, oui, ça l'a mis dans l'élo, ça l'a qui matinée politique. Et ça l'a quitté. Mais c'est qui matinée politique. En quoi est-ce que ma matinée politique? Parce que si on trouve tout là, on a soupé maloba, oh yo yo. Gardiner la mort ou Fridolin, Atei. Ton remis tout n'est comme une matinée politique en terme. C'est le pouvoir en place. Et les autres analystes politiques, ba bengi mensi à l'élo. Nalinga tout bien ramisa. Y'a qu'on commémore à l'immémoire, y'a ndeko, chiriba au kende, wa ou te koti kabiso. Bah, il pouvoir, bah, l'objet est des alliés matinées politiques. D'autres analystes politiques, bah, ben, y'a des alliés matinées politiques. Mais on a connu aussi des morts. On a un régime au terroir. Bah, mais c'est ça la marque, là-bas, Notre-Dame aussi également. Pour la bâton, on se va pouvoir. Qui avait qualifié cela dans la matinée politique? Moi, les alliés réactionnent de Ferdinand Kamer. Qui avait qualifié cela dans la matinée politique? Qui avait qualifié des matinées politiques? Quand il y a eu mort, il y a Barossi Mukendi, Bechebea et tout consort. Il y a eu aussi de l'Église catholique a organisé la messe pour commémorer la mémoire de Vaillant, de Kendaki, pour la lutte à la liberté. En quoi il y a l'éloyo, misa, il y a homo, toi, confié comme matinée politique. Pouvons-nous dire que l'Église catholique fait peur pour le pouvoir en place? Pouvons-nous dire que non, mais c'est Fridolin Mbogo fait peur dans le régime en place? Toi, assisteras l'autre fois, si ma mémoire est trahie, ingratée. Dans l'église, il y a quatre dents, il y a centenaire. Le monsieur est confronté, le grand père, c'est le babé Akima. Il a tiré sur les gens, babé, après, juste au Mélina, et Kamata, il y a un aké. Est-ce que réellement aussi l'église, et c'est si ka, oh, il y a un babé Akima, Zouarama, le babé, on va poser, on va tirer, on va tirer, tirer, on va pouvoir en place. Montre mon super moi. Il en a bien, coupé sa coloration. Tout le monde a une église qui est dans la centenaire, mon Seigneur est coffre, récupéra. Il va livrer, il va en aller, il va chaner, il va récupérer, il va retourner. Est-ce que l'église, Ezekika Oyo, il y a aussi un règlement de comptes?
Mais bato mususu ba bisinga que non du roi John l'église les sika ko ba dénoncer cause l'injustice. Ya roté ba oyoyo ba zo vivre l'injustice batika. Ba 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 ko sala mabe batika. Ba ba ko tambo na minya unyo batika. Balobi balobi za lo lenge ya bongo. Posons-nous des questions. Il y aura quelques extraits. Il y a Maloba, Fridolin, cardinal Fridolin Mbongo Alobi. Abi, aucune nation ne peut se construire sur les assassinats et le meurtre. Atamoka mokote et tongamaka. Nakobomaka bat. Atamoka mokote. Là, c'est sur le cardinal Ambon. Il prêchait cela au Bazali na rade na Eglésia. Ton abaye au Baya quitté. Ah, Fridolin Ambongo. Parce que notre rôle, Babino Mokoloana. Oh, Yopo Yebi. Le pouvoir en place, élu de PES, attaque. Moïse Katumicha pour nous ensemble, que Baronde Bazali à la base, il y a Koufa, il y a Ndeko Choribé. Ensemble, peu, Nabatonae, Bako tiré sur le pouvoir en place, Nabi de PS, à la base, il y a assassiné Ndeko Choribé au Ken. Et maintenant, lorsque le cardinal Fridolin Mbongo dit aucune nation ne peut se construire sur les assassinats et le meurtre, il prêchait. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à ce genre Bazali na rate na misa. Pour l'autre moni bo mona bilili, bo moni bandeko Moïse Katumbi bazawana, bo moni na bilili ya bo mona ndezo défilé. Bandeko Moïse Katumbi bazawana. Bandeko nan bandeko c'est ça na bazawana. Ou soit il tire. Et pas ba oba ki misa té. Et pas bah, on va qualifier en matinée politique parce que bah, il y a des blocs au biman. Nous avons besoin d'un jour à John. Tant qu'on puisse se tenir en opposition, sans que l'église catholique ait une coloration, il y a qu'au côté là, opposition, bon, la lutte, bah, il y a un pouvoir en place, bah, il y a un malin. De même chose aussi, le lieu premier temps, même ceux qui mettent mis à mort et salami, tant qu'on n'a pas prôné, parce que l'église, c'est si qu'on a dénoncé injustice, tu as côté à eux, allez, justice. Et comme il y a une matinée politique. Il y a un homme qui dit, tu sais que l'église a pu aller si on va retirer, on va régler le code, tu sais si on va au bon ou là-bas. Sauf que ça a dit, quand on va aller à l'église, 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 on va aller à l'église. Sauf qu'il peut aller à quitter, on va aller à l'église. Bah, on va aller à l'église, on va finir, tu vas interpeller le conseil à l'église. Abi, Fridolin Mbongo dit, dans un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, ce pays-là va tout droit à sa ruine. Je le répète, dans un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, ce pays va tout droit à sa ruine. Na école oyoyo na mboka oyo ba ko baba ebitene nya ko meme ya bato na mboka oyo ba ebitene nya ko zuwa mutuya ya bato ezali mboka oyoyo ezali na tinate ezali mboka oyo eko kene malembe malembe na bobebi nango. Na bobebi nango. Fidolin Mbongo s'adresse à qui? Fidolin Mbongo s'adresse à qui? Namboko ba ko mbende ko meme ya batute. Namboka oyo ba biko pesa droit de l'homme motu ya te. Ezamboka oyo gene tout droit. Na kati ya ni ya bobebi.
À vous qui tuez, c'est ce que Fridolin Bong a ajouté. À vous qui tuez ou exercez une certaine violence humaine, personne n'échappera à la justice de Dieu. À vous qui tuez ou exercez une certaine violence humaine, personne n'échappera à la justice de Dieu. Nabino bayo boko boma. Oboko luka ko nyoko la bato. Ata moto moko te, ata justice moki le bigisio, mais moto moto ko kima na justice nzambe. Ce sont le frère de l'homme bongo a sini sina kata en melina. Na a vous qui tuez ou exercer une certaine violence humaine, personne n'échappera à la justice de Dieu. Tous wana nous témoignage oyo. Il y a un ancien, il y a des miyabs, a tout ce qui manque à la mingité a sali bon Dieu. Toka le lengeni ma mbogo qui n'amoura la bison en cas prison des miyabs. Toka bon tous on ensemble. Donc le tini kabapla. Je voudrais aussi parler à la communauté internationale parce que nous avons la représentation de la MONUSCO ici à Kinshasa. Madame Bintou Keïta, je m'adresse également au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le droit de l'homme est presque bafoué. Il y a un cachot souterrain qui est en train d'être construit à la Demiap. Je suis prêt à donner tous les détails. Cachot Anezali, ce cachot a comme mission de torturer tous ceux qui seront hostiles à ce régime. Démocratie, la démocratie est déjà dans notre pays. Ne croyez pas que vous allez encore instaurer la dictature dans ce pays. John Tubang ou nommé au Kassai, il n'a jamais fait une semaine au Kassai dans ses postes. Il est toujours en Afrique du Sud, tantôt à Lubumbashi, tantôt ceci. Tout ça pour traquer toujours les gens qui sont hostile au régime de M. Félix Tshisekedi. John Tshibangu avait acheté les armes au camp Kokolo. Beaucoup d'armes, il a acheté les armes à $100 au camp Kokolo. Il a transporté ses armes et ses armes sont à 60 km de la ville de Lubumbashi. Jadis, on avait même découvert des sacs de munitions dans la ville de Lubumbashi, c'est l'œuvre de John Tshibangu. Il avait recruté tous les Kamwena Sapu, tous les militaires qui avait cessé d'exercer et qui était d'origine du Kassai. Il les a déversés au Katanga. Tout ça, nous le savons. Mais nous dénonçons cela. Parce que ce pays mérite la paix. Le président de la République part de gauche à droite en disant qu'il recherche la paix. Mais vous, vous êtes son conseiller militaire direct. Vous ne recherchez pas la paix. Vous êtes en train de chercher à accentuer la violence dans le pays. Nous te disons trop, c'est trop. Nous savons tout ce que tu as fait. Et tes ordres mal donnés là. Moi, je te confirme aujourd'hui que ça va tourner au vinaigre. Parce que nous n'allons plus continuer à exécuter les ordres mal donnés de torturer nos frères congolais. Comme s'ils étaient des étrangers. Les exécutions sommaires continuent à se faire dans ces pays alors que la peine de mort a été abolie. Trop, c'est trop, ça doit cesser. Ça doit cesser, ça doit cesser. Moi, je demande à toutes les organisations aux droits de l'homme, à CAJ, à ZADO, M. Kapiamba, où es-tu, monsieur, dans les régimes passés, tissionné dans les cachots, pour voir comment les gens sont détenus? Pourquoi vous ne venez pas ici à la Demiap? Pourquoi vous ne partez pas en Dolo? Je vous informe ici que le général Moulongo, John Moulongo, était déjà décédé des suites de ses blessures, des tortures. Les ordres qui émanaient directement de M. Frank Toumba Bouamounda. Je dénonce cela. Ça doit cesser. Parce que le colonel Inabanza, qui avait aussi dénoncé sur le probable l'attaque qui s'est préparée, l'attaque de Kingakati qui s'est préparée, et ce monsieur est torturé, il est presque mourant. Tout ça, la population congolaise doit savoir. Ici, j'en appelle donc aux journalistes qui donnent les informations. Chers journalistes, surtout vous les journalistes d'investigation, M. Jean-Marie Kassamba et tous les autres, je ne sais pas citer nommément tous les journalistes, veillez, veillez s'il vous plaît
parler sur ces dérives dictatoriales qui s'installent au sein de la DEMIAP, qui sont l'œuvre uniquement de M. Franck Itumba Bwamunda. Je vous remercie. Toi, ça, l'analyse n'a pas été faite. Ok, on est malin. Cardinal Mbongo, il s'adressait. Na ba yo ba sala ki wana. Toi qu'on s'adressait na ba kambi ya mboka. Pour jusque là, PG, procureur général près de la cour de cassation. Alobi nanu ba pesi résister à malam oté. Ba onze l'autopsie. Ay ba onze l'autopsie. Mais bato ba ko funda nanga. Yenda bomaki. Ba ngone ba bomaki. Ba linga ki yete. Muto yo so ko le bona ndenge nae. Et maintenant, bonjour, on a un témoignage. A vous qui tuez. Et ça, la ngaï, et ça, la yope, et ça, la yope, on a un ngaï. Comme mes arabes, comme ma chérie, ben, t'es. Osa, ben, la batou, bouma, peut-être. Hein, n'a t'es, on peut mouquier. Osa, la batou, pote, la batou, M. Soudon, oui, maman, on a eu des abonnés, causé des abonnés. Yo moto boma ata bato mokiba mona yote nzamba ko mona yo jisi nzambe ko sha ata jisi nzambe ko chape tata mokete avo kuta kota mabelo ko subia ba musu ba bidume kota mabele ya adam tazo subio za le jisi sanza ate za kanzia na bisonyo soto posons nous des questions nasima cheribe nani susu esengela alek. Aucune nation, et c'est quand tout ça en a barre au beau man. Caïen, pourquoi tu as tué ton frère Abel? Qui est le Caïen? Abel, il y a un témoignage. Qui est le Caïen qui a tué son frère? Merci de vous écouter. Merci de vous écouter. Merci de vous écouter. Merci de Maman Pauline Lumumba. Merci, maman. En même temps, si papa est mairie, papa paye ma banza. Merci. La confiance, hein. Petit à petit, nous avançons. Seul Dieu a eu bisika nino, tokoko, mais la pète au souké. Tokoté nabino, nabata mouzoya. Au revoir. C'est Jean-Paul Toumba Kalinda. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là, que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.